Révélation, grosse annonce. Je suis un sorcier. Vous l'avez vu. Salutations, bienvenue à tous. Je profite de ce début de vidéo pour vous souhaiter de très bonnes fêtes, un très joyeux Noël. Je vous souhaite de passer de bons moments en famille, de partager des moments, de vivre, de sourire, de rigoler. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Enfin bref, je suis pas là pour vous donner des leçons de morale, ni pour faire de la psychologie, ni quoi que ce soit. Les politesses sont faites, on peut attaquer cette vidéo, et vous l'avez compris, c'est sur le thème de Noël. Alors forcément, il y a le sapin, et sur le sapin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça. D'ailleurs, je vous propose de prendre 10 secondes, soit maintenant, soit à la fin de la vidéo, pour me mettre un commentaire et me dire ce que vous aimeriez avoir comme cadeau de Noël. Une, deux ou trois idées, et puis après on reprend la vidéo, ou si vous l'avez fait à la fin, on peut même regarder une autre vidéo de la chaîne Passion Harry Potter, se faire un petit plaisir. Et donc qui dit Noël pour les sorciers, forcément. Et tu ne t'es jamais posé la question de comment ça se passe, Noël, chez les sorciers? Est-ce que c'est comme chez nous? On va répondre à ça tout de suite. Alors déjà, chez les sorciers, oui, on fête Noël. Chez les Anglais, par exemple, on fête Noël, mais il n'y a pas forcément, enfin, on ne sait pas trop quelle connotation religieuse ça a. Et puis de toute façon, on s'en fout. À Poudlard aussi, on fête Noël. D'ailleurs, le château est décoré avec 12 immenses et beaux sapins, des vrais sapins qui sentent. D'ailleurs, j'ai pas mis de pull de Noël, mais j'ai mis un pull couleur sapin. Je laisse les pulls de Noël aux autres. Donc, revenons-en à Poudlard, donc 12 grands sapins pour décorer. Il y a même des vraies fées, donc des fées vivantes, qui font office d'ornement pour décorer le château. Donc vous imaginez tout ça, pas mal. La grande salle aussi est décorée avec du gui, du hou et tout ce qu'il faut pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Et quand on parle de Noël pour les sorciers, forcément, on parle du bal de Noël, le fameux. Donc le bal de Noël est organisé en l'honneur du tournoi des trois sorciers. Et il a lieu dans l'établissement qui a organisé l'événement cette année-là. Donc, qui y participe? Eh bien, c'est les élèves de la 4e à la 7e année. Il y a même des plus jeunes, mais il faut qu'ils soient accompagnés d'un cavalier qui est au moins à la 4e année. Évidemment, il y a aussi les professeurs de l'école. Dans cette soirée, la tradition, c'est que déjà les champions rentrent directement dans la grande salle et ouvrent en quelque sorte le bal en rentrant avec leurs partenaires. Ils vont directement s'asseoir sur la table des champions. Ensuite, il y a un excellent repas comme toujours, vous le savez. Et puis après, c'est les champions qui ouvriront la danse avant que tout le monde les rejoigne. À Noël, il y a aussi le club de Slug, organisé par Horace Slughorn. Mais tous les élèves ne verront pas ces deux événements, puisque certains rentreront chez eux, puisque pour eux aussi c'est les vacances. Et donc, pendant 15 jours, ils peuvent soit rentrer chez eux, soit rester à Poudlard. C'est eux qui décident avec leur famille. Et vous le savez, forcément, on ne peut pas parler de Noël sans parler de cadeaux. Alors, est-ce qu'il y a des cadeaux chez les sorciers? Eh bien oui, et on va en parler précisément, on va en citer quelques-uns. Harry, par exemple, a reçu, alors la première année, une flûte en bois de la part d'Hagrid, une pièce de 50 pence de la part des Dursley, à leur image, un pull en laine de la part de Molly, forcément, une boîte de choco-grenouille par Hermione et la cape d'invisibilité de son père, de la part de Dumbledore. Voilà. Mais de façon anonyme. Pas trop mal encore, ça va. On est pas mal. Ron, par exemple, lui, il a eu, bon, un pull de sa mère aussi, Molly, forcément, une boîte de dragées surprise par Hermione. L'année d'après, il y a encore eu plein de cadeaux, dont un cure-dent de la part des Dursley, vous vous en doutez, à Harry. Un cure-dent. Voilà. Et puis écoutez, je pense qu'on va pas trouver de meilleure fin qu'un cure-dent comme cadeau de Noël. Donc je décide qu'on s'arrête ici. Voilà, on a fait un petit topo sur ce qui se passe à Noël pour les sorciers et pour les élèves de Poudlard en tout cas. J'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo sympa juste pour se mettre un peu dans l'ambiance de Noël en restant sur Harry Potter. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Ce sera mon cadeau de Noël. Je vous souhaite encore de très bonnes fêtes, un très joyeux Noël. Et puis, en attendant, eh bien, je vous dis à très vite.